Celui qui répond à ces questions, ce week-end-ci, c'est Loïc Notet. Les musiques de ma vie. Sur Bel RTL. On poursuit notre week-end en compagnie de Loïc Notet. Merci beaucoup d'être avec nous, Loïc, parce que je sais que tu es très pris pour l'instant. Tu es très demandé. Mm-hmm. Tu cours beaucoup de droite à gauche. Oui. C'est ça qu'on aime. Mais voilà, ça fait partie aussi du plaisir de ce métier. Les 27 et 28 avril au Cirque Royal chez nous à Bruxelles. Je sais que tu es en France aussi, sur scène. Et puis, je voudrais qu'on dise un petit mot, parce que moi, je suis un vrai rat de bibliothèque. J'adore lire. Je vais tout à fait honnête, j'ai reçu ton livre. C'était un petit peu trop juste. Je l'ai reçu il y a 4-5 jours. Et donc, j'ai pas eu le temps me plonger dans ce premier roman fantastique que j'ai là en main, qui est sorti aux éditions Michel Lafon, Les Aveuglés, Le Palais des Murmures, mais rien que le quatrième de couverture, rien que les quelques phrases, les quelques morceaux que j'ai pu en lire, je trouve qu'on te retrouve complètement. On retrouve ton univers, en tout cas, on retrouve ton univers musical, mais sur papier. Tu t'as pris du plaisir à faire ce roman ? Ah oui, complètement. Surtout que c'est normal qu'il y ait, je pense, ce lien, parce que j'ai eu l'idée de cette histoire pendant que je composais Selfocratie, donc le premier album. J'ai des personnages qui sont apparus dans ma tête comme des flashs, et j'ai senti qu'ils allaient me raconter quelque chose. Et du coup, j'ai attendu. Ça a pris plusieurs années, le temps de tout construire, parce que je voulais vraiment un univers complet. Et du coup, un matin, je me suis réveillée, j'avais tout. J'avais même la suite aussi, donc j'espère qu'elle pourra voir le jour un jour. C'est la question que j'allais te poser, parce que s'il y a un sous-titre à ce premier roman, ça veut dire forcément qu'il y a peut-être une suite qui est prévue. En tout cas, dans ma tête, elle existe, et j'espère qu'elle pourra avoir le jour un jour. Mais clairement, c'était incroyable, c'était une expérience complètement différente. Et surtout, ce qui est génial quand on écrit un livre, c'est qu'il n'y a pas de limite budgétaire. Comme quand on fait un clip, ou comme quand on fait la scénographie d'un concert, ou une tournée, ou peu importe. Il y a toujours à un moment donné le comptable qui arrive et qui dit « Attention, ici, mais dans un livre, non. » On peut imaginer tous les décors qu'on veut, tous les personnages qu'on veut, les costumes les plus fous, les plus coûteux, parce qu'en vrai... Il n'y a pas de limite. Voilà, il n'y a aucune limite, et c'est ça qui est incroyable. Ouais, et c'est la magie des livres, et ça nous fait voyager aussi, parce qu'on ouvre un livre, on ouvre toujours une fenêtre sur un autre monde. On voyage sans se déplacer, et c'est à découvrir aux éditions Michel Lafon, ce premier roman donc fantastique de Loïc Notet, qui est avec nous pour ce week-end, et dans les musiques de ta vie. Alors c'est vrai que ce nom ne me disait rien, et puis quand je suis allée tapoter sur Internet, je me suis dit, mais bien sûr, c'est un des compositeur d'origine française qui a, on va dire, pas le plus composé de musique de film, mais quand même énormément pour La Doublure, pour Largo Winch, pour Clo-Clo, pour Barbie qui vient de sortir. Il a été plusieurs fois nominé aux Oscars, aux César, aux Grammy Awards de la musique. Il s'appelle Alexandre Desplat. Et là, je laisse quelques notes pour celles et ceux qui sont fans d'Harry Potter et voir s'ils arrivent à reconnaître... ce titre qui est dédié à Dumbledore, en fait. Exactement. Ouais, c'est absolument incroyable. C'est une musique qui me donne énormément de frissons. La scène dans le film est, je trouve, très bien réalisée. Elle est très intense, très très forte. J'ai des frissons rien qu'à en parler. Ouais. Et c'est vrai que c'est un morceau que je me rejoue assez souvent à la maison. Non pas quand je suis triste ou voilà, c'est genre vraiment naturellement. Parce que c'est le genre de mélodie qui m'ouvre en fait, qui ouvre vraiment mon esprit et qui développe un peu ma créativité aussi. Et moi, il faut savoir que je n'ai des idées que grâce à des images que je vois dans un film, donc une série, une peinture, peu importe. Ou alors quand c'est des livres, des histoires, c'est beaucoup des musiques mais instrumentales du coup qui m'inspirent, parce que je réalise un film dans ma tête. Et ensuite, je retranscris ce film sur des pages, en fait. C'est presque un adagio, hein, ce titre. C'est presque une musique d'adieu, quelque part, qui fait un peu renaître de ses cendres. Donc, c'est très, très paradoxal. Ouais. Et voilà. Donc, Alexandre, alors, je ne sais pas si on dit le S ou pas. Moi, je dis des plats. Mais je dis des plats aussi. Voilà. Allez voir tout ce qu'il a fait, parce que vraiment, il a composé pour énormément de films. Et on va donc se plonger dans cette musique extraite du film Harry Potter et les Reliques de la Mort. Hein. Je pense que Prince de Sang-Mêlé. Prince de Sang-Mêlé, c'est l'autre. Je les confonds tous. Heureusement qu'il est là pour me reprendre. Hein. C'est Loïc Notet qui est avec nous et on se retrouve tout à l'heure. Ne bougez pas.